L'AC Ajaccio s'impose un but à zéro à domicile et se maintient en Liga grâce à un but d'Adrien Moutou. L'AC Ajaccio a eu plusieurs opportunités grâce à cette frappe d'André Pierazzi sur le poteau. Malheureusement, les Ajacciens s'imposent un but à zéro. Le PSG s'impose 5 buts à zéro à domicile et n'est plus qu'à 2 points de son record saison initiale avec un but de Lavezzi pour commencer à la 26e minute. 4 minutes plus tard, c'est Zlatan pour le 2-0. 3-0 grâce à Lucas qui se fera un doublé à 89e. Et c'est Rabiot qui va conclure le spectacle. Le PSG s'impose 5-0 à domicile et a déjà une différence de plus 74 et totalise 87 points en 32 journées. L'Olympique de Marseille s'incline 3 buts à 2 à domicile. Pourtant, Reims ouvre le score par Fouad Haïté. Ensuite, il double la mise grâce à Weber. Naufrage, l'OM prend 2 buts en 37 minutes. Mais revenir tout d'abord grâce à ce but de Florian Thauvin. Et Gignac croit alors redonner un peu de ferveur aux supporters. Mais ensuite, l'OM va s'effronter 89e minute. Doublé de Fouad Haïté. Il donne la victoire au stade de Reims qui est toujours tout de même dernier mais qui n'est qu'à 5 points du premier non relégable. L'OM avec sa 10e défaite et 14e avec 33 points. Il n'a plus que 6 points d'avance sur le premier relégable. Rennes et Evian font 0-0. Ce match nul permet tout de même aux Rennais de revenir à 4 points et de revenir au même nombre de points que l'Olympique Lyonnais et Evian avec la victoire d'Ajaccio la veille et 7e. Bastia et Nantes, eux aussi, font 0-0. Ce nul permet au Bastia de rester dans la première moitié classant avec 40 points. Et ce nul permet aussi à Nantes de rester au-dessus de la ligne de flottaison à la 17e place. Guingamp et Nice font un mauvais résultat. Guingamp 0, Nice 0. Les Niçois sont 16e avec 4 points d'avance sur la zone de relégation. Guingamp est 12e avec 9 points d'avance et 36 points. Ils ne sont plus loin du maintien. Justement, le premier relégable, c'est l'Olympique Lyonnais. Il s'incline 2 buts à 1 lors du derby. Le premier but, il est inscrit par Erding qui coupe la trajectoire du centre de Brandao. 1-0 à la 31e, puis un but partout grâce à ce but de Gomis qui passe en revue. Bayalsa qui dépose. Petit centre piqué pour la reprise du volet de gauche imparable pour Stéphane Ruffier. L'amour de Christophe Galtier, il ne va pas avoir le temps de douter car ses hommes vont se créer en deuxième but grâce à ce centre de Perrin mal repoussé par Lopez. Bidim en retard sur Max Alain Gradet inscrit le deuxième but stéphanois. Saint-Étienne s'impose 2 buts à 1 et n'est plus si loin du est à égalité de points avec le troisième monégasque. Sochaux s'incline 2 buts à 0 à domicile parce que le premier but est inscrit par Marvin Matin au sein sochalien il y a 3 saisons déjà. Ensuite, Sochaux va encaisser un deuxième but à cause de l'apport de Nolan Rook, lui qui avait déjà marqué ici la saison dernière. Il fait gagner le LOSC 2 buts à 0 et les Lillois sont toujours bloqués en deuxième moitié de classement à une moins bonne différence de but. Les Monégasques s'inclinent 2 buts à 1 à domicile parce que le premier but il est inscrit par Greg Pujol à la 36e. Le suivant par Greg René. David Ducourtiou à la 56e, ça fait 2-0 pour VA. Puis Monaco va réduire le score en insuffisant. Monaco s'incline pour la énième fois de la saison en domicile. Et enfin, le derby de la Garenne pour terminer sur highlight. Pourtant, Bordeaux ouvre le score grâce à Cheikh Diabaté à la 36e. Mais Toulouse va parvenir à égaliser grâce à Ben Yedder, un but partout, score final. Plus de 10 buts inscrit lors de cette 31e journée avec le succès 5-0 du PSG à domicile contre Montpellier, la défaite de l'OM 3 buts à 2 à domicile contre Reims et le succès de Saint-Étienne pour le derby face à Lyon. Au classement, on voit le PSG leader à 87 points, Sochaux 2e avec ses 65 points, l'ASSE 4e 62 points, VA 5e et ses 58 points. Une grosse différence, un gros trou se crée entre VA 6 entre VA 5e et Ajaccio 6e, 12 points d'écart. Il y a 18 points d'écart entre VA 5e et Bastia 10e.
Le LOSC est 11e avec déjà 40 points. Derrière, on a Guingamp à 36 points. Le promu n'est plus si loin du maintien. L'Olympique Lyonnais est 18e. Marseille est 14e. Rennes et Reims ferment la marche. Pour le compte de la 32e journée, Sochaux affrontera les Lyonnais et relégables qui essaieront de disposer pour se rapprocher un peu plus du maintien. Monaco accueillera l'Olympique Lyonnais qui sera sûrement toujours relégable. Enfin, le dimanche à 14h, plusieurs matchs avec tout d'abord un OM-Montpellier. L'Ajaccio affronte le PSG pour son record de points. Ensuite, Monaco affrontera Reims en principauté. Bastia affrontera Saint-Étienne. Sochaux accueillera l'UTG. Nantes accueillera Lille et Montpellier accueillera Valenciennes.